Et bonjour à tous, c'est Matt du 29 et donc on se retrouve pour deux petits épisodes donc sur Exploitation Agricole Simulator Pro 2014. Donc du coup je peux régler mon son un peu plus fort. Vu que de toute manière j'ai réglé mon micro et qu'il est plus fort que tout le monde. Que tout le monde, que mes jeux et tout ça, donc que le son Windows. Donc du coup on va tout simplement semer, j'aime pas la mienne. Bon bah c'est parti je pense. Donc on va semer du lupin, parce que le lupin en fait moi je fais par en... j'ai envie de faire par ordre alphabétique, alors allons-y. Donc là on va semer donc tout ce champ. Et après on verra. Donc c'est parti pour la semis. Donc du coup, nouveauté, il y a que le micro qui a changé de place en fait, parce que bon, il n'y a pas d'autre chose à faire. Je suis revenu en écran aussi comme certains. C'est vrai que c'était un peu chiant au niveau de du rendu, ça faisait pas terrible je trouvais. Au niveau de la taille de résolution d'écran, ça faisait pas terrible, ça veut dire que ça faisait complètement écrasé par rapport aux autres jeux. Donc j'ai décidé tout simplement de me mettre sur un écran quand je fais des vidéos et sinon quand je joue, sans pourtant faire d'enregistrement de vidéo ou quoi que ce soit, je mets un écran large comme ça au moins. Après c'est plus apprécié, c'est vrai que c'est bien aussi, mais bon, vu comment ça donnait, j'ai préféré quand même faire comme ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, aujourd'hui, là on va semer. Sur ces deux épisodes, on va semer. Les prochains sera de l'épan. On épandra de l'engrais sur tous les champs. Et ensuite viendra le temps de passer à la saison suivante pour pouvoir tout simplement récolter le lupin et le stocker dans les. Alors non. Le lupin, je pense que ça doit être au niveau des vaches. On doit le vendre directement. Je sais pas du tout comment ça marche, mais j'ai pas encore essayé avec le lupin, parce que je sais que dans les silos en fait on peut stocker que certains types de cultures. Il y en a 6 et il y en a en tout 7 cultures. 7 maintenant, on a 8 ou 9 je crois. Alors je sais pas du tout. Je sais que dans les silos on peut mettre du soja, du blé, de l'orge, du maïs, du colza, ça fait déjà 5, et l'autre ça doit être des pois. Donc du coup le lupin je pense qu'on le met pour les vaches ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore essayé toutes choses, par contre je vais regarder mes animaux. Non, j'en ai pas avant, donc tant mieux. Hop, et je vais peut-être en acheter d'autres, tiens, des vaches. Des vaches, donc il faut aller là, il faut aller dans divers, et on va s'acheter à 2005, on va s'acheter deux vaches en plus, comme ça on aura toujours un petit peu. Donc du coup normalement vous entendez moins mon volant, par contre vous m'entendez mieux, ce qui est préférable au niveau des vidéos quand même je pense. Normalement vous le remarquerez hein, puisque ma voix, en fait ma bouche est plus près du micro tout simplement, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je préfère comme ça, au moins c'est au niveau du micro c'est clair, et puis au moins il y a moins de sons de parasites, de bruit de volant ou autre bruit. Parce que vu là où il était placé mon micro, en fait il était juste à côté de mon volant et sur le bureau, du côté en fait sur le bureau côté volant, à côté du volant, donc du coup les vibrations du volant s'entendaient dans le micro tout simplement. Donc du coup j'ai décidé de les mettre, je sens que je n'ai pas baissé le comment on appelle ça, le semoir, donc du coup c'est sûr que je semerai pas grand chose si je le baisse pas.
Donc on va faire demi-tour tout de suite. Et puis on va repasser par là où j'ai passé, mais sans cette fois-ci oublier de baisser le semoir. Ça y est, quand on voit le tracteur qui se soulève, c'est à dire que c'est bon. Donc c'est parti, hein. On va tout simplement finir de semer ce champ, hein, vu que j'ai perdu un peu de temps. On va essayer quand même de faire un maximum de choses aujourd'hui. Du moins de semer ce qu'on peut. Autrement dit, sûrement le premier champ. Le deuxième champ, c'est pareil. Après, c'est les deux autres qu'on verra si on a le temps de les faire ou pas. En tout cas, là, on a presque déjà terminé ce champ. On est bientôt à la moitié du champ. On va mettre à la moitié que pas être à la moitié. Comme ça, au moins, on est sûr de finir le champ sur cet épisode. J'espère demain. Après, qu'est-ce que j'ai de plus? Il n'y a pas de nouveau mode en plus sur Euro Truck ni sur... Ben, donc j'ai envie d'essayer, surtout que Euro Truck, là j'ai un petit souci avec ma, une de mes parties, en fait, où j'ai aussi la, la Truck Sim Map, mais dès que je modifie, c'est surtout sur le Scania, j'ai pas ici encore sur les autres, mais dès que je modifie le Scania, le, bah, le dernier en fait qu'ils ont créé, le dernier c'est le Streamlight, le dernier, la dernière version en fait qui est sortie avec le dernier patch quoi. Et dès que je le modifie, et ben après je peux plus. Dès que je le modifie, alors que je modifie le moteur ou quoi que ce soit, ben, je peux plus rien faire. Dès que j'accélère pour démarrer le moteur, ben le jeu plante. Donc je sais pas du tout à quoi c'est dû. Je ne sais point du tout. Et ça, ça m'embête un petit peu quand même. Parce que moi j'aime bien jouer et puis là je peux pas. J'ai essayé hier toute la journée. Bah pas toute la journée mais. Oh vache. En fin de soirée. Et je commence à avoir un peu envie de dormir moi. Et en plus de ça, j'ai je vais peut-être avoir une formation dans quelques temps. Donc il faudra peut-être que je récupère mon sommeil. Donc là on a fini ce champ là. Quasiment, il nous reste plus que allez, les trois quarts on va dire. Notre 70 ou un truc comme ça. Allez, on va tourner. Hop. Bon, en effet, il reste plus grand chose. Hop là. Le sommaire est baissé. Donc on va finir tout celui-là et puis après on ira sur le deuxième du coup, celui d'à côté. Puis après on verra. C'est là que je prends. En fait ce jeu il est bien. Hein. Je dis pas qu'il est bien, qu'il est pas bien, mais bon. Voilà. Bon. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas, qui sont moins bien, c'est sûr, comme tous les jeux. Mais on trouvera toujours à dire sur n'importe quel jeu, quel qu'il soit, on trouvera toujours des trucs, des inconvénients, des avantages et des trucs et des choses qui vont pas et machin et ceci, les nuls parce que machin, et ben, c'est bon quoi. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des choses à dire. Bon après il y a des bonnes choses. Hein. Je sais pas qui. Il est bien comme jeu, il est même mieux que l'un des jeux qu'ils avaient fait. Ben ceux qui en fait, ceux qui vendent, ben ceux qui pas ceux qui ont développé, mais ceux qui vendent, ouais, ceux qui voilà, ceux qui publient ce jeu. C'est Ugi, donc c'est un truc, je sais pas si c'est allemand ou anglais. Ou... Je sais que c'est. Ils ont fait quelques jeux. En l'occurrence, ils ont fait. Alors, au niveau jeu d'agriculture, ils ont fait Agrar. Agrar Simulator, qui était complètement. Si vous vous rappelez, qui était. Assez buggé dans l'ensemble. Parce que, en fait, ce qui se passait, c'est que.
Le seul truc que je me rappelais, c'était au niveau de la charrue du tutoriel sur la charrue. On avait un petit souci, c'est que donc on devait d'abord atteler le poids, et puis dès qu'on voulait atteler la charrue qui bougeait dans tous les sens, bah ça merdait tout simplement. Et puis bon. Puis après le jeu plantait des fois, quelques fois pour rien, donc voilà. Et malgré qu'ils fassent des. Ils ont fait quelques patchs, mais non, ça n'a pas changé. Après, c'est vrai que bon, ce jeu-là remplace bien Grard. Après, ils ont quand même. Bon, il y a certaines choses qu'ils ont piquées quand même sur Farming. En l'occurrence, au niveau de la carte. Quoique, ça a un peu évolué quand même par rapport à Farming, parce qu'on a quand même. Ce qu'on a sur le champ, qu'est-ce qu'on a semé, combien il est semé, combien il est élaboré, tout ça. Si on est propriétaire, combien il fait d'hectares. Ici, on a quand même ce qu'on a en argent, donc il ne nous reste plus que 356 000, 356 euros. Faut quand même faire gaffe à ne pas être dans le rouge. On a quand même un prêt qui est de 228 000. Donc on a 4 champs, donc on a une surface totale de 3 hectares 36. On a 9 vaches. 9 vaches. Ah ben je l'ai baissé. Ouais, voilà. B7 là, bah non, il était levé. On a 6 poules et 6 canards. Bon. Donc là c'est pour la carte. F2 c'est pour la superficie, pour avoir les informations sur les champs. Et F3 c'est notre information sur nous, sur ce qui va le temps qu'il va faire et tout ça. Et F4 c'est pour enlever tout ça. Et ce qui est bien aussi, c'est quand on est dans le tracteur, on voit que les aiguilles bougent, on voit que tout ce qui est RPM ça bouge, tous les kilomètres heure, la vitesse. On a sur le petit cadran là, à droite, on a tout ce qui est, donc on a l'heure déjà pour commencer, mais aussi la vitesse. On a si on a les feux allumés, tout ça. On a qu'est-ce qu'on a dans, donc là, vu qu'on a un semoir au niveau du, on a le remplissage du semoir, et bien sûr, on a aussi ce qu'on a fait en pourcentage de semis sur le champ. Donc, du coup, voilà. Donc les jauges là qui sont en blanc, c'est ça. Il y a une qui disparaît quand on n'est plus sur le champ, parce que tout simplement c'est pour montrer le pourcentage effectué en semis ou en autre. Quand on a le déchaumeur, c'est quand on déchaume. Quand on a la charrue, c'est pareil, c'est pour voir qu'est-ce qu'on a labouré. Et tout ce qui est après, il y a aussi. Je sais pas si ça marche quand on a quand on moissonne. Je crois que ça marche aussi. Du coup, le fil pour la moissonneuse, le fil, ça sert à savoir qu'est-ce qu'on a dans la trémie en remplissage aussi. Donc du coup, je pense qu'on va pas pour on n'aura pas fini la moitié du champ, qu'on aura déjà terminé du coup l'épisode, le premier épisode. Donc on va passer de suite au deuxième épisode. Et je sais pas à quoi c'est dû aussi les retours Windows que j'ai des fois là. Ça commence à me gonfler un peu quand même. Bon, du coup on va finir déjà de moissonner, de semer ce qu'on peut. Tac, c'est bon. Ok. On va faire demi-tour. Tac. Donc du coup, bah sur ce, on se dit à tout de suite dans le deuxième épisode. C'est parti pour le deuxième épisode, toujours sur Exploitation Agricole Simulator Pro 2014. C'est parti, on y va!